Alors, Michel Serre, la bibliothécaire, l'a dit en introduction, c'est le premier spectacle qu'on réorganise à la bibliothèque depuis le confinement. En fait, le 14 mars, on avait eu la chance d'avoir un superbe spectacle de la compagnie Monomade. On se doutait que le confinement allait arriver et on a profité de ces derniers moments. Et voilà, il y a 7 mois qui se sont passés, 7 mois pendant lesquels on a dû annuler au fur et à mesure tout ce qu'on avait prévu, tous ces moments de voilà, qui font du lien en fait. Et donc là, c'est chouette de reprendre ça comme quelque chose de très chaud, très doux, qui nous permet voilà, de se retrouver. Et on espère qu'on va pouvoir continuer à réorganiser des choses comme ça. Et puis voilà, avec des échelles qui sont des petites échelles, mais bon, qui sont à l'échelle du village. Hein. Je suis Laurence Andréini à Lyon, metteur en scène du théâtre Amazon, qui est basé donc à La Rochelle et à Saint-Martin-de-Ré, avec un double siège social. Alors, c'est une rencontre avec la bibliothécaire de la Couarde sur Mer, qui se nomme Michèle Séba. A assisté à une des lectures, je crois que c'était Inconnu à cette adresse, de Creshman Taylor au Fort Lapré en 2018. Hein. Et on s'est revus depuis et je lui ai demandé si une des lectures créées par le Théâtre Amazon l'intéresserait et si elle en avait une particulièrement de relation épistolaire qu'elle aimait ou dont elle se souvenait, qu'elle souhaiterait voir incarner. Et elle m'a dit, oh, quand j'étais adolescente, il y a une relation tout à fait particulière qui m'avait vraiment intéressée à l'époque, hein, qui est le journal des Sœurs Groult. Hein. Est-ce que tu connais cette relation? Et j'ai dit, non. Donc, je me suis empressée de lire ce journal à quatre mains, en connaissant bien sûr Benoît hein, Groult, pas sa sœur, moins en tout cas comme romancière, et ça a été un coup de foudre. Réellement un coup de foudre pour ces deux sœurs qui ont 4 ans d'écart donc, pour l'écriture vraiment de cette période d'invasion allemande de Paris occupée pendant 5 ans, vraiment une belle découverte. Est-ce qu'on peut avoir une trame un petit peu de cette lecture qui va se dérouler? On sait que c'est le contexte, c'est la Seconde Guerre mondiale, 40-45, le récit de ces deux jeunes demoiselles. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu du déroulé? Alors, ça commence donc avec le retour des sœurs Groult qui étaient en vacances chez leurs grands-parents en Bretagne. Ils reviennent, la famille Groult revient rue Vavin, dans un quartier très bourgeois de Paris. Elles nous font part, depuis donc cette année 1940, avec la montée d'Hitler au pouvoir, hein, depuis déjà un an, mais les choses se durcissent, de ce qui se passe sur les fronts russes, allemands, français, de tout ce qui progressivement, on a un calendrier assez détaillé de la guerre et de cette permanent, si j'ose dire, de l'occupation des Allemands dans la ville de Paris, l'incidence que cela a sur leur vie de jeune fille, c'est-à-dire que Benoît, brillantissime, prépare les certificats de grec, de latin et se destine à l'agrégation de lettres classiques, tandis que Flora est au collège. Elles ont 4 ans d'écart et elle va, pendant 5 ans, arriver aux années des lycées. Et on a donc cette progression jusqu'à le débarquement des Alliés, les Américains qui arrivent dans Paris, la fascination de ces jeunes filles qui sont brillantes, donc d'un milieu aisé, qui vont aller dans les clubs, les boîtes de jazz. Elles ont un très bon niveau en anglais, donc elles sont vite repérées pour pouvoir faire visiter Paris à ces Américains. Ça, c'est hyper croustillant et tellement intelligemment décrit, et jusqu'à la libération complète de Paris, puisque les Américains sont dans Paris. Donc, on a vraiment les années, on va dire, tristes, hein, en contraste avec le rêve de ces jeunes filles de vivre normalement leur adolescence. Elles ont toutes les deux, plus ou moins, surtout Flora, cette gourmandise et cet appétit de flirter.
Ça, c'est vraiment quelque chose de récurrent chez L2. Le souci plus des études chez Benoît. Et un grand amour chez Benoît de quelqu'un qui va s'engager et partir dans la résistance. Donc, on a aussi ça. On les suit pendant 5 ans. C'est vraiment au rythme du cœur et de leurs années d'apprentissage, de la fin des années. Pour Flora, collège, lycée, et chez Benoît, lycée, université. Avec ces deux jeunes comédiennes qui ont donc ouvert, la première édition Scène ouverte aux jeunes talents au Fort-Lapré en juillet 2020. Et elles sont toutes les deux étudiantes. Une qui a 20 ans, l'autre 19 ans. Alors, pour interpréter effectivement ces deux sœurs, vous avez choisi deux jeunes talents, vous venez de le dire. Comment est-ce que vous les avez découvertes? Est-ce qu'elles sont passées par votre école? Alors oui, je les ai découvertes différemment l'une et Parce l'autre. qu'elles ne sont pas sœurs dans la vraie vie. Non, elles ne sont pas sœurs dans la vraie vie. Elles se sont rencontrées toutes les deux au sein de la masterclass théâtre que je dirige à l'Université de La Rochelle. Anna est étudiante encore aujourd'hui à l'Université de La Rochelle en licence d'histoire. Quand je l'ai rencontrée, c'était il y a 2 ans. Et Rosalie était lycéenne et en août, avant son entrée en première, elle a fait partie d'un stage que j'ai animé au Fort-Lapré. C'était la première fois pour elle qu'elle faisait du théâtre. J'ai été éblouie par la fraîcheur, on va dire l'instinct organique de cette jeune fille. Ultra douée. Et j'ai demandé à l'université une dérogation pour que Rosalie Denise puisse faire partie de la masterclass théâtre, tant elle était douée. On me l'a accordée, elle était lycéenne. Et Saint-Exupéry, elle est lycéenne au lycée Saint-Exupéry quand elle rejoint la masterclass théâtre. Elle rencontre donc Anna et ensemble, avec les autres de cette masterclass, on crée un spectacle que nous avons présenté 8 fois à l'Hôtel de la Fabrique à partir du texte de Jean-Luc Lagarce, La photographie. Et avant cela, elles ont joué toutes les deux pendant la nuit de la lecture à la médiathèque et à la BU de La Rochelle, la bibliothèque universitaire, une adaptation des Mémoires de deux jeunes mariés de Balzac, le seul roman épistolaire de Balzac. Quand je les ai vues toutes les deux et qu'il y a eu cette proposition et le coup de cœur de ces sœurs Groult, j'ai pensé à elles parce qu'elles ont, et vous le verrez ce soir, exactement non seulement l'âge des rôles, mais aussi ces tempéraments qui sont, mais avec une adéquation assez troublante, celles des personnages. Je sens en moi la grande attente qui naît. Attente depuis le plus profond de moi-même de quelque bouleversement total qui fera jaillir en flammes fécondes ces promesses immobiles en moi. Assise, en rond dans mon âme, cachée sous des chapeaux pâles, vêtue de robes encore floues et qui attendent, les mains jointes. Grotesque adolescente! Mixture d'Alain Fournier, d'Alain Samain et de Lys de Harm. Mais la jeunesse pour toi, Flora, qu'est-ce? Sinon, appeler les choses autrement que par leur nom. Je suis Anna, j'ai 20 ans et je suis en L3 d'histoire à l'Université de La Rochelle. Et moi, je suis donc Rosalie, j'ai 19 ans et je suis en L1. Je fais une licence pluridisciplinaire à la Catholique de Lille. Donc, moi, je joue le rôle de Benoît Croûte. Et donc, moi, sa sœur, Flora. Mais quel dommage, j'aime bien sa peau! À condition de la consommer à dose homéopathique. J'aime bien le caoutchouc beige de son derme. Il a des mains qui parlent mieux que son larynx. Je pense que les deux personnages nous correspondent bien, ouais, en fait. Ouais. Oui, enfin, je pense que la conviction de Benoît de Groot et ses différents engagements dans ce qui est fait, et aussi par son sérieux, je pense. Ça me permet de mieux la cerner. Bah, tu l'incarnes aussi très bien. Non, mais parce que moi, par exemple, Flora est un peu plus
un peu plus folle, un peu plus. Elle se prend pas trop la tête par rapport à certains sujets qui toi te, enfin, qui toi te tiennent oui, à cœur. Vrai, oui. Et moi, je suis un peu plus. Je suis moins prise de tête et je prends la vie telle qu'elle vient. Et parfois, tu m'énerves un petit peu. Parce que justement, t'es trop. Il y a une vente qui sommeille en moi et elle a l'air de s'être réveillée ce soir. La difficulté est de bien cerner chaque personnage pour l'interpréter au mieux, en fait. Oui, c'est ça. Et aussi le fait de jouer quelque chose qui, à l'origine, est lu. Aussi, oui. C'est pas mal de travail. Oui, voilà. Mais je pense que c'était déjà un peu inné chez chacune de nous. Enfin, sinon, on n'aurait pas fait du théâtre. Je ne vois pas le moyen de le rendre harmonieux. Heureusement. Heureusement que les femmes ont les idées courtes. Moi, j'aimerais bien être professeure, donc d'histoire géo. Et si j'arrive à être professeure, j'aimerais bien pouvoir diriger l'enseignement de théâtre, de l'enseignement dans lequel je vais travailler. Moi, pas vraiment. Ce que je vais faire, c'est totalement... Ça ne se rapproche pas du tout du théâtre, c'est autre chose. Mais continuer le théâtre parallèlement à ça, ça serait une idée. C'est la deuxième fois que vous faites une lecture comme ça devant le public. Oui. Est-ce qu'il y en aura une troisième ? Peut-être, oui. Oui. devant des lycées ou des collèges, on pense, pour pouvoir mieux sensibiliser les jeunes filles à ce que c'est le féminisme et aussi peut-être pour montrer aux gens une différente perspective de la Seconde Guerre mondiale. Aussi, à travers de jeunes filles, ouais. Oui. La voilà. vie de jeunes filles. Oui, de jeunes filles bourgeoises surtout. Les filles se promènent dans le jardin en bas de chez nous, brassards bleus, blancs, rouges au bras. Ce matin, on leur a lancé des paquets de cigarettes et on leur a parlé. Ils sont tous très jeunes, aux confins des petits garçons qui jouent à la guerre et des héros qui la gagnent. Ils nous disent que cela va durer encore quelques jours. Il y a des renforts de tanks allemands qui rappliquent sur Paris. On s'est couché à 3 heures, pourvu de bonheur. Et aujourd'hui, le 25 août 1944, s'appelle le jour de la libération de Paris.